Ouais, c'est bon. Ouais, pour une première, c'est un bon début pour moi. Après, on avait à cœur aujourd'hui de se qualifier et passer ce tour pour disputer le prochain tour. Franchement, on a encaissé un but, mais ils n'ont pas eu d'occasion. C'était sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc direct. Après, on a plutôt bien géré. On a eu pas mal d'occasions. Je pense qu'on a 2-1, c'était pas suffisant. On aurait pu en mettre plus. Mais bon, on va travailler à l'entraînement et puis on va se préparer pour le prochain match de championnat. C'est une vraie satisfaction d'avoir gagné. Voilà, c'est un match de coupe. Donc, un mort, un vivant à la fin. Nous, on est encore vivants. On a encore fait encore partie de la coupe. Donc, c'est voilà, une vraie satisfaction. Et d'autant plus après nos 2 défaites, c'était important de couper cette spirale négative. On concède l'ouverture un peu contre le cours du jeu, mais on est resté sur nos principes. On ne s'est pas affolé, on a réussi à marquer, prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Le regret, c'est de ne pas avoir mis ce troisième but qui nous aurait mis à l'abri, alors qu'on a les situations dans le premier quart d'heure de la deuxième. Derrière, eux se disent qu'il y a peut-être un coup du coup à faire. Et bon, voilà, après, derrière, on est solide. Donc c'est bien, c'est une bonne victoire. Belle soirée, hein. Elle avait un peu mal commencé parce que bon, on encaisse le premier but. On a un peu de mal à mettre nos actions et après on marque 2 buts coup sur coup et on tient jusqu'au bout. Et voilà, je marque mon premier but en pro aujourd'hui et je suis très content que ça arrive contre le fond à terre. On tenait le bon bout, après on encaisse le but, mais voilà, dans l'effort et voilà, dans le match en général, on était bien, donc voilà, on ne s'est pas découragé. Directement après leur but, on a continué d'attaquer et voilà, ça nous a souri. Après, le coach aussi nous a beaucoup parlé à la mi-temps et en revenant, on a continué comme on avait terminé après la mi-temps. C'est jamais facile quand tu es sur 2 défaites d'affilée. C'est voilà, pour la confiance, c'est sûr que c'est pas facile. Donc on a stoppé la série négative. Maintenant, il faut la stopper aussi en championnat en allant faire un résultat à Bollard. C'est un gros match. Tout joueur aimerait jouer ce genre de match avec un enjeu, devant un gros public. En plus, samedi à 15h télévisé. Donc voilà, c'est un bon match. Et à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour amener des points.